Bonjour, je m'appelle Sandrine HK et je vous souhaite la bienvenue sur cette méditation guidée spéciale Ancrage. L'ancrage, c'est l'enracinement à la terre, c'est nos besoins primaires, la stabilité, la sécurité, la survie, la capacité à vivre l'instant présent comme un enfant. La maison, la mère, l'argent, le travail, donc d'une manière plus générale, le domaine matériel et la vie terrestre. Si vous avez des pratiques spirituelles, l'ancrage vous aidera à ne pas vous perdre dans la spiritualité, à ne pas devenir trop perché. Il vous aidera à maintenir l'équilibre nécessaire entre vie spirituelle et vie terrestre. Dans cette méditation, je vais vous proposer un exercice d'enracinement, suivi d'affirmations positives pour faciliter votre ancrage. Installez-vous confortablement, assis, les pieds à plat sur le plancher. Prenez une grande inspiration, puis expirez profondément. De nouveau, prenez une grande inspiration, puis expirez profondément. Encore une fois, prenez une grande inspiration, puis expirez profondément. Reprenez une respiration naturelle. Fermez les yeux. Portez votre attention quelques instants sur votre respiration, sur l'air qui entre et sur l'air qui sort. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous pensez, revenez tout simplement à votre respiration, sans jugement. Vous allez maintenant porter votre attention sur chaque partie de votre corps. Portez votre attention tout d'abord sur votre crâne. Si vous ressentez des tensions, détendez-le. Concentrez-vous ensuite sur votre front. Si vous ressentez des tensions, détendez-le. Concentrez-vous sur vos oreilles. Détendez-les. Sur votre mâchoire.
Détendez-la. Sur votre cou. Détendez-le. Sur vos épaules. Détendez-les. Sur vos bras. Détendez-les. Sur vos mains. Détendez-les. Sur votre ventre. Relâchez-le. Sur votre bassin. Relâchez-le. Sur vos cuisses. Relâchez-les. Sur vos mollets. Relâchez-les. Sur vos chevilles. Relâchez-les. Et enfin sur vos pieds. Relâchez-les. Portez votre attention plus particulièrement sur la plante de votre pied droit. Puis sur la plante de votre pied gauche. Visualisez maintenant que des racines poussent sous la plante de vos pieds. Elles ressemblent aux racines d'un arbre. À mesure qu'elles poussent, elles vont s'enfoncer dans les profondeurs de la terre. Elles deviennent de plus en plus solides. Elles vous permettent d'être bien maintenues, en sécurité. Rien ni personne ne peuvent vous faire tomber. Elles continuent leur chemin vers les profondeurs de la terre et elles arrivent enfin au centre. Le magma rouge du centre nourrit vos racines. Vos racines s'imbibent petit à petit de ce magma. Le magma remonte ensuite jusque dans votre corps. Il remplit d'abord vos pieds. Puis vos chevilles. Vos mollets. Vos genoux et l'arrière de vos genoux. Vos cuisses, votre bassin, votre ventre, votre torse. Vos épaules. Vos bras. Vos mains.
votre cou. Votre tête. Vous êtes maintenant rechargé de l'énergie de la Terre. Profitez de cette énergie quelques instants. Répétez après moi, en pensée ou à voix haute, je suis vivant. Je suis fort. Je suis stable. Je suis en sécurité. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en l'avenir. Je suis courageux. Je suis déterminé. Je suis ici et maintenant. Cette méditation est maintenant terminée. Je vous invite à revenir à vous tout doucement et à votre propre rythme. Pour aller plus loin, je vous invite à travailler votre ancrage au quotidien. Vous pouvez par exemple vous balader dans la nature, marcher pieds nus dans votre jardin, dans le sable à la mer, ou encore enlacer un arbre. Vous pouvez commencez à régler les conflits avec votre maman. Commencez votre arbre généalogique. Vous pouvez vous adonner à des tâches terrestres telles que la cuisine, le bricolage, le jardinage, le ménage. Vous pouvez chercher du travail si vous n'en avez pas. Commencez à penser à une reconversion si vous n'aimez plus ou si vous n'avez jamais aimé le vôtre. Vous pouvez prendre des congés ou lever le pied si vous travaillez trop. Vous pouvez faire vos tâches quotidiennes en étant pleinement présent à ce que vous faites, en étant concentré que sur la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Je vous remercie d'avoir médité avec moi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine méditation guidée.